bien, bonjour à tous. Voici un nouvel enchaînement créé 100% par Joël. Qui s'appelle donc? El sombrero con caminar. El sombrero con caminar. Et donc, j'ai pris mon dictionnaire espagnol et je me suis rendu compte que ça pouvait se traduire par le chapeau à pied. Donc, voilà, ça ne veut pas dire un chapeau qui a un pied, mais ça veut dire un chapeau qui se promène à pied. Donc, il dit, waouh, ça c'est absolument génial. Eh bien, puisque c'est une de tes créations, je te laisse le soin de l'expliquer. Alors, donc, on débute par la pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Après, vous allez faire un sombrero normal. Donc, main droite de la fille dans main droite du garçon. Au-dessus de main gauche, main gauche. Vous faites le sombrero normal. Donc, 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Ensuite, eh bien, le chapeau va se promener. Puisque sur le 1, 2, 3, 5, 6, 7 suivant, nous allons tourner. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Ensuite, sur le 1, 2, 3 suivant, vous continuez à tourner, mais le garçon, en plus, va faire quelque chose de particulier avec sa main gauche. Donc, un auto-coiffé. Voilà, il va s'auto-coiffer sur le 1, 2, 3. Ce qui donne... 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, sur le 5, 6, 7 suivant, il va, donc, sa main droite va passer au-dessus de la tête de la fille. Ensuite, la fille va tourner sur sa gauche, 5, 6, 7, et puis 1, 2, 3, le coiffé, 5, 6, 7. Bien, reprenons tout ça dans ce sens-ci, donc pas de base ici en casino, alors sombrero tout à fait classique, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mais ici, au lieu de renvoyer la fille donc en diliqueno comme dans le sombrero traditionnel, eh bien, je garde la fille et je l'oblige à aller en arrière. Donc, je vais tirer sur ma main droite et de mon côté, j'avance avec mon pied gauche. Donc, 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Évidemment, la fille va se laisser faire, ça va de soi. Je continue toujours la même promenade en avançant, avec en même temps le travail du bras gauche, comme Joël l'a expliqué. 1, 2, 3. Donc, je reprends cette partie-ci. Donc, droite, gauche, droite, avec la main gauche. Ensuite, 5, 6, 7, donc c'est pied droit, arrière, garçon. Et le déroulage de la fille. De toute façon, vous ne pouvez pas la dérouler dans tous les sens. Il n'y a qu'un seul sens qui va fonctionner. Donc, 5, 6, 7. Reprenons jusque-là. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et pour terminer, pourquoi pas, ici on est deux, on est croisés. Et pour décroiser, eh bien, nous allons terminer el sombrero. Voilà, là vous connaissez la fille, bien entendu, pour qu'elle se sente en valeur. Et diliqueno pour revenir. Je propose de le refaire une dernière fois, pas trop vite. Donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Alors, pendant ce temps-là, vous pouvez bien entendu parler à la demoiselle. Hein. Vous pouvez lui poser des questions sur son âge, où elle habite, etc. Hein, et puis vous faites ça et vous en perdez vos pieds parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Donc, 6, 7, 1, 2, 3, bon, un peu de choses près. Alors, poum, 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 tac, 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 et clic, clac, boum. Et puis à ce moment-là, quand vous avez terminé votre conversation, eh bien, vous pouvez la libérer de l'emprise que vous avez faite. Vous pouvez retrouver d'autres figures de salsa, ainsi que de merengue, de bachata, de cha-cha, sur notre site internet www.coursdesalsagratuit.com. À bientôt!